Ok, bon, partons à l'exploration de cette grotte. Allons voler des dresseurs. Salut tout le monde, c'est Galius, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour ce deuxième épisode de Pokémon Rouge Feu en édition Rocket. Et j'ai réussi à voler le mec qui était à ma gauche là. Je lui ai volé un chenille. Je me disais ça peut être pas mal pour la suite d'avoir un petit papillusion. Je sais pas ce que vous en pensez. Bref, voilà, c'était, vous savez, ce petit insectologue là. Voilà, c'était lui. Et d'ailleurs, il est très content. Regardez, on va lui demander si ça va. Mince, je n'aurais jamais dû venir ici. Voilà, il a l'air très heureux. Donc nous, on va continuer. Alors, il y a quelques Pokémon sauvages qui apparaissent, mais je pense qu'il y en a quand même moins que dans le jeu original. J'ai pas vu vos retours parce que je tourne à la suite pour pouvoir avoir un petit peu d'épisodes d'avance. Mais en tout cas, voilà, on a trois Pokémon plutôt. Et voilà, ils sont tous là. Les mecs, venez par ici, je pense que j'ai trouvé quelque chose. Ah bon? Je pense que ça vient d'en bas. Allons-y. Allons-y. Allons-y alors. Courons. Astérisme. Have a look at this, guys. Regardez ça, les mecs. Est-ce que je vais être promu ou pas, maintenant? Ah, qu'est-ce qu'il a trouvé? Wow. Une Pokéball incroyable. Qu'est-ce que vous en pensez? Regardez-moi et dites-moi que ce n'est pas la chose, le fossile le plus rare que vous n'ayez jamais vu. On ne peut pas attendre de voir le regard, allez, voilà, de ce que va penser Petrel quand il verra ça. Mec, mais c'est juste une pierre lune, mec. Pourquoi t'as crié aussi fort juste pour ça? Ouais, ces trucs-là, on peut en trouver. You used to evolve gay little Pokémon like Jigglypuff. What? On peut faire évoluer des Pokémon gays, ils appellent ça, comme Mélofée. Cette chose n'est pas si rare que ça, mec. Oh, eh bien, tout ça pour rien finalement. Bon, moi je la veux bien, la pierre Luna, après tout. S'ils la veulent pas, moi je la prends. Non? Comment ça se passe? Je peux la prendre ou pas? Ouais, voilà, je la prends. Allez, salut. Salut. Ah, voilà, ok. Genre, il est trop déçu, tu sais. Hyper déçu. Mais ouais, mais bon, faut pas nous faire. J'ai pas eu un vélo, hein. Non, j'ai pas de vélo pour l'instant. Ah, Ronnie. Ah, te voilà, Mewquette. Mec, tu ferais mieux de venir là. Ah, il y a un grand dresseur qui vient d'arriver. Moi, j'ai aucune idée de ce qui s'est passé, mais ça semble assez excitant. Viens. C'est qui? Je vous le dis, il m'a battu sans même me toucher. Je sais pas. Bon, en gros, j'ai dû lui donner une récompense, quoi. Bah, dites-moi en plus, quoi. C'est un mec avec des... Ah, spiky, donc ça veut dire qu'il a des pics. Tu sais d'où est-ce qu'il vient? Peut-être un des riches petits-fils prodiges qui sortent de l'école Pokémon ou quelque chose comme ça. Dégoûtant. Et où est le... Uber Powerful? Putain, les Pokémon Uber, quoi. Où est-ce qu'il a eu tous ces Pokémon hyper forts? C'est irresponsable des parents. Les mecs, vous allez me dire que vous êtes fait avoir par un petit enfant qui vous a appris comment combattre, hein? Quoi? Qui vous a appris à comment combattre, hein? Vos mères? J'achète pas ça, Mewquette. Enfin, en gros, je suis pas d'accord avec ça. Je vais chasser ce morveux. Et nous allons voir qui est le vrai prodige d'ici. Jeez. C'est Jesus, quoi. Ok, en gros, lui, il s'en va. Il trouve pas de fossiles. Ok, j'ai compris. Roger. Je pense que centre Pokémon semble être un bon endroit, hein. Voilà. Ok, c'est ça. Cassez-vous. Bande de mauviettes. Ouais, ça, c'est que des mauviettes. Tu es pas... Attends. You're not scared of some little gardener, are you? Tu es pas effrayé à cause d'un dresseur enfant, quoi. À cause d'un enfant, n'est-ce pas, Mewquette? Non. Bien. C'est ce que je voulais entendre de toi, mec. Je sais que tu es un mec cool, comme ça. Allez, I'm not living skinned. Ok. C'est parti. Donc, il faut trouver ce mec aux cheveux avec des pics. Mais ce garçon avait l'air fort. Donc là on a un dresseur. Ok, donc les combats dresseurs, je vais tous les couper parce que c'est pas très intéressant. Et si on capture des... si on vole des Pokémon à la fin, eh bien je vous le montre. Oh, mon chenille, il évolue.
Magnifique, un super chrysacien, on le sait tous. Ah voilà, voler un Pokémon de ce dresseur, oui. En fait, visiblement, on peut voler que les insectes là. Métapode, donc chrysacier. Alors, il avait Paras, chrysacier et Coconfort. Écoutez, on va prendre un Paras, tiens, parce que j'ai déjà l'autre. On va pas prendre deux insectes. Waouh, c'est incroyable. Merci beaucoup, merci beaucoup. Je n'en reviens toujours pas. Et Paras, eh bien, écoutez, oui. On va l'appeler Magic Mush. Voilà. Magic Mushroom. Champignon magique. Donc, on a un combat ici. On a un sbire là. Quoique, c'est peut-être pas un combat ça. Attendez, c'est combat ou pas? C'est pas un combat ça. Ouah, ne me blesse pas, Rocket. Je jure que je n'ai jamais pris de fossiles ou quoi que ce soit. Enfin, je n'ai jamais trouvé des fossiles. Eh bien, écoutez, bon, même s'il est parisé, on va mettre Magic Mush. Et on va continuer l'aventure. Alors oui, j'avais oublié en fait qu'on peut voler que les enfants ou les vieillards. Et je pense qu'elle, c'est une fillette qui est pas enfant. Et les autres, je pense que c'est des enfants. Donc c'est peut-être pour ça. Oh, ok, je viens de comprendre. Alors écoutez, où est-ce qu'on va aller maintenant? Ah oui, là, par exemple, on a un gamin. Je pense que lui, on peut le voler. Voilà, lui on peut le voler en effet. Alors il avait Nidoran femelle, Nidoran mâle et Nosferapti. Je pense que Nidoran femelle pourrait être pas mal. Incroyable ce jeu. Alors on va lui donner quoi comme surnom? C'est une femelle forcément. Jerika. Ne demandez pas pourquoi, c'est comme ça. Ok, donc on a plusieurs itinéraires. On peut passer par là. Okay, cool. Ou sinon on peut aller là. Bah écoute, on va aller dans le premier endroit. Généralement dans Pokémon c'est l'endroit le plus loin où ça marche. Où est la sortie, mais bon. Peut-être que... Oh, une petite fille, on va lui voler, tu vois. Je suis perdu, monsieur. Vous pensez que vous pourriez m'aider à m'en sortir? Oui, ma petite. Passe un peu pour le pédophile, n'empêche dans le dans ce jeu. Pédophile, gangster, enfin on a tous les vices, c'est normal, hein, c'est normal. Alors on joue avec Magic Mush et on va évidemment empoisonner ce petit... Et hey, d'ailleurs ça me fait penser qu'il doit peut-être avoir Rondoudou et Mélofée. Et ça pourrait être vraiment pas mal. Ok, bon, on essaie de m'endormir la traîtresse. Hop, bon, on va accélérer un petit peu quand même. Voilà, et ouais, Mélofée, ça c'est excellent. C'est excellent quand on attaque. Ok, c'est bon, c'est capturé. Alors, on va lui voler... Mais les deux évoluent avec une pierre lune en fait. Mais un gros doudou, ça serait original. Parce que Mélofée, bon, il est pas. Ah, moi, il s'attire. Non, il sera. On va prendre Jigglypuff. Moi, j'ai envie de prendre Jigglypuff. C'est tout. Voilà. Ok, allez. Ok, on va lui donner un surnom. On va l'appeler Chupa. Chupa Chups. Ouais, ça rentre. Bon, je sais que ça s'écrit pas comme ça, mais c'est pas grave. Bon, je l'écris comme je veux. Ok, je suis un gangster qui enfreint la loi tous les jours. Donc Chupa Chups, ça nous fait quand même une... Oh oui, ils ont rajouté le type fée. Excellent. Excellent, excellent tout ça. Excellent. Et du coup, on peut même la faire évoluer, hein, cette petite... petite jiggly truc. Ouais, on peut... est-ce qu'on le fait? Est-ce qu'on le fait? Est-ce qu'on le fait? Est-ce qu'on le fait? Ou est-ce qu'on va en trouver d'autres après? On sait pas. On va attendre. Peut-être qu'on trouvera une autre pierre lune, je sais pas. Ah bah peut-être là d'ailleurs. Non, Larsin, ok. Logique. Je ne veux pas te parler, tu es effrayant. M'en fous. Allez, donc cette fois-ci, on va prendre ces escaliers. Et je pense qu'on va arriver pas loin des fossiles. Alors, dans le jeu original, on trouvait les fossiles, évidemment, dans ce... dans le Mont Sélénite. Hein. Mais je pense que ça va être différent, là. Alors, on n'y est pas encore. Là, on a un poteau. Ah, Mélofée sauvage même. Bah écoutez, on... Ah bah non, on peut pas le capturer, c'est vrai, j'avais oublié. J'allais dire on va le capturer, mais non. On ne peut point. Ok. Qu'est-ce que tu dis, poteau? Je suis venu jusqu'en bas ici pour... Ah ok, il a été battu par un dresseur. Je déteste mon job. Je déteste mon travail. Intéressant. Mais qui est cet homme avec des pics rouges? Enfin, cheveux roux. Ah, bah c'est là les fossiles, normalement. Des fois, on trouve des objets, il me semble, dans les trucs comme ça.
Bah écoutez, Magic. Est-ce que Magic Mush. Ok, ouais, je pense. On va mettre. On va mettre Choupa Choups. Oh my god, Mewtwo! Pas du tout. Bon, allez. Mewquette, Mewquette, j'ai trouvé le scientifique, quoi. Et tu sais quoi? Il a dit qu'il a trouvé des fucking Pokémon fossiles! C'est trop cool! Facile maintenant. J'étais. Bon, je viens de trouver ces deux fossiles ici. Voilà, ils sont difficiles à sortir, quoi. Franchement. Ouais, en gros, toute cette histoire de fossiles, ça a pris une ampleur de fou. Ouais, ouais, c'est ça. Peu importe ce que tu dis. Mec, Mewquette, c'est incroyable! Je t'ai dit qu'on allait trouver quelque chose, non? N'oublions pas que. Qui a fait la plus grande recherche ici? Oui, c'est lui, quoi. Oh, man, man, man! Devine qui va être le premier à rapporter cette spectaculaire trouvaille à Pétrel, hein? Man! Je ne peux pas attendre de voir les visages de ces abrutis de sbires au centre Pokémon quand ils verront que j'ai réussi la mission pour tous. Attends, ça me rappelle que... monsieur le scientifique, Didier Appen aussi, est-ce que vous avez trouvé un dresseur, un enfant dresseur qui est venu par ici? Quelqu'un avec des cheveux en pique et une attitude un peu... ça quoi. Oui, en effet. Amusant, comme tu l'as dit. En fait, il est venu ici il n'y a pas longtemps, quoi. Il marchait avec son... Oh, il avait un carabaf. D'accord. Like some big show off. Ok, pour se la montrer, quoi. Je pense qu'il est parti maintenant. Ok, plus besoin de s'en soucier. Mais quand même, tu ne sais jamais... Tu ne sauras... Non, tu ne sais jamais si un opportuniste petit... Ouais, il pourrait prendre, ruiner ma chance, quoi, tout ça, et ma gloire. Ok, en gros, il veut que je reste ici pour faire la garde. Putain, on est vraiment le pigeon, hein. Je doute qu'il y ait un problème, mais juste au cas où des dresseurs passent. Putain, imaginez, on trouve ce dresseur, mais je sais pas trop qui c'est. C'est Red? C'est l'esprit, allez. Je pense qu'il faut le combattre, lui, non? Ne me rate pas comme ça, je n'ai pas signé pour un combat. Prendre le fossile, non? Ah non. Ah! C'est Red. C'est rouge. Voilà, plus rouge. Alors, bon, je vous dis rien. Je vous dis rien. Mais vous allez comprendre. Voilà. Je pense que vous avez compris. En gros, bon, j'ai vu sur le forum, j'ai vu un message passer et j'ai vu que ben, Red avait des Pokémon qu'on pouvait pas vraiment battre en fait. Donc il va nous défoncer. Voilà, ça c'est la réalité de la chose. Il va nous éclater. Voilà. En plus, il s'amuse à faire 4 attaques différentes, il est tellement adorable. On est trop nul. Je sais pas si ce qui se passe si on gagne. Je sais pas. Bref, j'ai perdu. Il n'y avait pas qu'un Carabaf, hein, il avait aussi un Reptincelle. Et dire que lui, c'est le héros. Pardon, c'est le héros qu'on incarne. Et attends, et arrête, j'ai trouvé ces fossiles, ils m'appartiennent. Et là, en fait, dans le jeu, si je me souviens bien, en fait, c'est incroyable parce que je crois qu'il doit y avoir un sbire ici. Et du coup, il y a le scientifique, il me semble qu'on l'affronte. Bon, ça fait longtemps, hein, je me rappelle plus exactement, mais... Ok, je partage. On en prend chacun, hein, au moins comme ça, pas de jaloux. Et ouais. Et ouais, c'est incroyable. J'adore ça, quand il y a un événement parallèle, un jeu parallèle comme celui-ci, c'est incroyable. Est-ce que t'as vu ce gars? Il était trop fort. Il m'a battu un quart de... Enfin, un demi-battement de cœur. Il n'a même pas dit un mot et il m'a juste défoncé. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi il y a un soudain afflux de dresseurs forts? Est-ce que j'ai manqué quelque chose? Et les fossiles aussi? Oh mon dieu. Mince. Why did I even agree to keep this stupid odd jobs for Team Rocket? Attendez, c'est moi qui parle là?
Ah, c'est peut-être moi qui parle quand c'est en parenthèse. Pourquoi j'ai accepté ce job? Je savais que j'aurais dû rester au musée d'Argentat. Ah, peut-être que j'étais de base un employé du musée. Au moins, ils m'ont donné un bon chèque. For Christ's sakes. Je sais pas, peut-être quand tu es parti, quand tu quittes un job, t'as un chèque, quoi. Putain, le mec il part, il revient, y a plus rien. Eh les mecs, vous allez jamais croire ça. Il y a un autre dresseur fou qui est dans les parages. Il a dit qu'il avait un reptincelle et il est trop fort. Il est encore plus fort que le Spiky Head. Ah, c'était pas le même! Ah ben oui, l'autre, mais non, c'est bête, je suis bête, c'est bleu. Attends, ne me dis pas que... Non, c'est pas possible. Et oui, il y avait d'abord le rival qui passait dans le jeu, c'est vrai. Quoi? What did you guys? Mais qu'est-ce que vous avez fait? Où sont mes putains de fossiles, hein? Oh, je jure Dieu que je vous laisse ici seul pour... non, je vous... Attendez, je vous laisse ici seul pendant 2 secondes et vous avez réussi à tout foutre en l'air, quoi. Bon, je suis un peu vulgaire, mais bon, c'est le style du jeu, en fait. Eh bien, écoute, nous avons tous les deux essayé de le battre, mais il était simplement trop fort. Et du coup, il est parti avec les 2 fossiles. Ah, mais il est parti avec les 2 fossiles! Ah, ben... D'accord. Il y avait... Il y a rien, on n'a rien pu faire. Oh non, pas Pétrel. Les 2 fossiles? Oui, monsieur, c'est exact. Bien, alors... Vous êtes viré. Jesus Arceus Christ. Ça va chauffer avec le boss. Ce gamin, je suppose que... Vous l'avez bien regardé. Est-ce que vous avez vu quel genre de Pokémon il a utilisé? Quel genre d'habit il portait? Remarquez des caractéristiques qui peuvent le distinguer? Oui, monsieur, c'est seulement un petit peu... nous avons pas eu grand temps. On n'a pas eu beaucoup de temps parce qu'il est parti très vite. C'est ce garçon avec les cheveux roses. Ah oui, le sbire avec les cheveux roses ici, il a battu aussi. C'est moi en fait, parle de moi. Je ne sais pas si peut-être il a remarqué quelque chose. Toi, quel est ton nom, sbire? Mewquette? C'est vrai, je me rappelle maintenant. Tu as battu ce dresseur à l'instant, non? Tu te rappelles de quelque chose? Ouais, ok. Bien, au moins tu as au moins un de nos sbires, de nos putains de sbires, hein, a prouvé quelque chose aujourd'hui. Ok, nous allons enquêter ça de plus près. Nous ne pouvons pas laisser ces enfants courir voilà, un peu partout, quoi. ok, ça abîme l'image à Team Rocket. J'imagine que le boss voudra un mot. Ok, on va retourner au quartier général. Maintenant, selon... Enfin, c'est la planque plutôt, la planque de Team Rocket. Concernant votre mission, rien de plus pourrait être fait ici. Vous pouvez disposer. Mais moi, Pétrel, j'ai trouvé les fossiles pour toi, non? Oui, et un fat lot of good it does. Beaucoup de mal... Enfin, beaucoup de bêtises ont été faites, quoi. Voilà, je veux plus entendre parler. Stupid little purple birdie jerk! Ce stupide mec à la barbe. Enfin voilà, ce lui là, Copetrel. Je lui montrerai un jour. Pourquoi je m'en inquiète? Ok, on est ramené à la planque de la Team Rocket. Eh bien écoutez, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir suivi ce deuxième épisode de Pokémon Rouge Feu édition Rocket. N'hésitez pas à répondre pardon, à la question du jour, à vous abonner à la chaîne pour pouvoir suivre la suite de ce jeu et laisser vos impressions dans les commentaires. Je vous fais des bisous, des poutous de Rocket. À bientôt, ciao.